attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic Sound Power, plus connu sous le nom de Sonic. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 25e épisode du Let's Through the Ark Survival Evolved. C'est parti les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai toujours pas décidé ce que je vais aller faire. En revanche, c'est ça putain, faut vraiment que je pense à me faire du planning. Je pense que je vais essayer de gagner suffisamment d'XP pour pouvoir me payer le fusil. Bon, j'ai déjà un flingue, mais ce que je voudrais c'est un fusil moi. Un vrai fusil. Attendez, je regarde, j'ai combien jusqu'au prochain niveau? Oh bah t'es... Ah bah ça va vite régler ça. Alors, faut trouver un dino à buter, parce que... Oui, je sais, je peux aussi gagner de l'XP en construisant, mais pour l'instant, je ne vois pas ce que je pourrais construire davantage. J'ai déjà bien assez construit comme ça. Je sais, aujourd'hui, on va s'intéresser à la mer. La mer. Aujourd'hui, je l'avais dit dans l'épisode précédent qu'il fallait que je commence à m'y intéresser. Alors toi, tu viens là, boum. T'es mort. De l'XP, plus d'XP. Putain, c'est pas vrai ça. Cependant, quand on sera au niveau du tech, je vous dis direct, on va pas prendre le truc tech normal, on va prendre le truc OP. D'ailleurs, on est censé pouvoir courir avec le truc tech. On est censé avoir un boost de vitesse quand on court avec le tech. Le problème, c'est que je n'ai toujours pas trouvé comment le déclencher. On dit qu'il faut appuyer sur le bouton contrôle, mais le bouton contrôle, c'est pour que je cours, moi. Et quand je l'appuie, ça fait rien du tout. C'est quoi ce truc ? Oh, mais un barrage de castors. Il est agressif le castor. Et bon, on va tuer le castor. Ça va, j'ai compris, je m'en vais. Méchants les castors, méchants. Bah attendez, bah on va l'apprivoiser lui. On va attendre qu'il repasse devant nous. Voilà. Non, un M s'il vous plaît. Force time et tu te calmes. Non, j'y crois pas, je peux monter sur le castor! Pas, je peux monter à dos de castor. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce mode de truc complètement what the fuck quoi. Il est trop mignon en plus. M'approcher de ça. Oh purée, mais il va beaucoup plus vite quand on est dans l'eau. Hein. Je te laisse ici, Castorouné. Je crois qu'il y avait un nom dans un dessin animé. Des champignons rares. Alors, il serait dangereux d'en manger. Son simple contact provoque des vertiges. Pff, je suis mortel. Mais bon, je ne vais pas y toucher. Castoroïde. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la mer, nous avions dit.
Attendez, est-ce que j'ai assez d'XP? Purée, j'ai presque la limite. Alors, Castorun est désolé, mais je vais t'abandonner quelques temps. Le temps de trouver un truc à buter. Abattez! Et un autre dino qui va nous accompagner. Même si ce truc est un croco. Sarko! Et hop là, nouveau niveau disponible. C'est parfait tout ça. Ça commence très bien cet épisode. Ça commence même très bien. Toi, je vais commencer par te donner ton vrai nom. Parce que... Sarkosuchus. Sarkosuchus, voilà quand même. Parce que faut pas déconner. Faut lui donner son vrai nom à ce mec. Endurance, parce que j'en ai vraiment besoin. Et donc, on va aller acheter le fusil. Attendez. Tac, tac, je peux ça. Et voilà, ça c'est bien. Putain, mais oulolololololo, mais ça évolue au fil du temps, les fusils. Ça m'intéresse même beaucoup. Alors, attendez. Alors, toi, je vais commencer par ramener le castor. Ah, il a sa propre barre de respiration. Je suis curieux de voir. Est-ce qu'elle descend seulement, cette barre? Elle n'a pas l'air de descendre. Je comprends pas pourquoi. Non, on va y aller par l'eau parce que c'est dans l'eau qu'il est le plus rapide. Il est trop mignon. Franchement, il est ultra kawaii ce truc. Allez, on va aller près du bateau. Je pense que je vais lui aménager un petit enclos spécial pour mon castor. Dans les eaux peu profondes. Ah merde! Ah si, je peux passer. Le castor, il ira vivre dans les eaux profondes. J'ai ma raie toujours, que je protège avec les eaux. Voir. Est-ce que je peux le mettre sur mon ponton? Oui, je peux. Eh ben, tu seras là, mon gros, et tu garderas le bateau. C'est parfait, ça c'est parfait. Maintenant, je vais aller chercher mon sarco. Ah ouais, le force time, hein, parce que quand même, hein, faut pas déconner non plus. J'ai autre chose à foutre que de faire la longue phase de timing. Je vous l'ai dit au début de la série. Hein. C'est une série créative, donc je triche. Hein. Vous l'avez vu, je me suis givé des ressources, j'en ai marre. Hein. Parce que, au départ, faire les ressources les unes après les autres, ça va, c'est pas très marrant, mais au moins ça a le mérite d'être legit, puisque les trucs sont faciles à faire. Mais avec le temps, ça finit par vraiment lourder. Purée, j'ai déjà plus de 10 minutes, mais ça passe trop vite les épisodes. Le problème, c'est que si je fais des épisodes qui durent plus de 20 minutes, ça va me mettre deux plombes à télécharger. Que c'est casse-couille. Alors, mon sarco, il est toujours là. Il est toujours là-bas, il prend le soleil. Même si le fucking soleil se couche. Et ce qui est étrange, parce qu'il n'y a pas de soleil. What the hell? Ah bah t'es, j'y pense. Si je gagne un autre niveau, faudra que je pense à lui mettre sa selle au sarco. Et il peut courir, hein. Comment tu le déplaces dans l'eau? Oula, il est rapide. Il est rapide, l'enfoiré. Normal, il est rapide, et quand je le mets en boost, ah, ça ne change pas sa barre de boost. La barre de boost, ça ne fonctionne que quand il est à... il est à terre. Allez, okay. Tiens, ouf. Mettre ici. Et un petit peu d'eau ici, ça devrait te plaire, Sarko. Mon Sarkosuchus. Belle bestiole quand même. Dinosaure que j'ai découvert pour la première fois avec Nigel Marven.
Ceux qui ont vu la série des dinosaures comprendront de qui je veux parler. Grand explorateur. Quand je pense que quand j'étais petit, je croyais qu'il remontait vraiment le temps. La porte, s'il vous plaît. Merci. Donc, les armes. À distance, non. Comment à distance? Mais il est où le fusil? Mais pourtant, je l'ai appris le fusil, c'est quoi cette blague? Ah oui, dans atelier, uniquement dans atelier, putain, mais je suis con, j'aurais dû m'en douter en plus. Donc, arme à feu, fusil normal, donc il me faut du bois, de la peau et du métal. Ok, on va se gifter tout ça. Attendez, justement, de la peau, j'en ai déjà. Ça m'énerve de devoir toujours reprendre au début. Putain, évidemment, il a fallu qu'il fasse un coup à coup. Il m'en faut combien? 95, ok. Lingots de métal. Et le reste, c'est quoi? Et du bois, il lui en faut combien? Je sais que... Mais non, pas ça. Du bois. 20 de bois. Hop là, et c'est parti. Purée, déjà plus que 5 minutes, mais ça m'énerve. Allez, fonctionnons, pas de fonctionnons, on va voir ce que tu faut. Munitions normales, il lui faut de la poudre à canon et des lingots de métal. On va en faire autant que possible. Gunpowder. Allez, 200, comme ça on n'en entendra plus parler. T'es casse-couille, tu le sais ça. Attendez, hop, je vais là. Oublier ce détail. Mais merde! Hop là, donc, armes, munitions, et on va fabriquer autant que possible. Ah, j'ai déjà atteint la limite, parfait. Je switch. J'en ai 16! Et pour les bolosses normales, il me faut du ciment, de l'obsidienne et des lingots de métaux. Eh bah, attends. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Du ciment, alors ça, je sais comment en avoir. J'ai fait. Chitine. Paste. Donc, on va transférer tout ça, et voilà, hop là. Ici, on comme ça, tac, il lui faut tout ce qu'il faut, 500, et voilà. Et de l'obsidiane. Et un travail. Mission, c'est parti. Il fait autant que possible.
Et hop, je switch. Par contre, je suis... Je pèse lourd. Heureusement, j'ai de la place à l'étage. Il va falloir que je pense à faire des lampes, moi. Parce que des lampes électriques qui consomment de l'électricité et qui peuvent tomber en panne. Allez, donc, je transfère. Tac, 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 tac. Putain, j'ai plus assez de place. Est-ce que j'ai encore de la place là-dedans? Oui, j'ai de la place. Parfait. Eh bien, il est temps de voir de quoi t'es capable, mon pote. Ouh, il me plaît ce bruit. Donc c'est la cartouche unique. Voyons voir de quoi t'es capable. Tiens, là-bas, il y a un rayon jaune. Vous croyez qu'on a le temps? Bah, allez, on y va. Bon, je doute que j'arrive à temps parce que à plusieurs reprises, le truc m'a filé... C'est dézingué sous mon nez. Putain, alors ça, je déteste. Tirer sous l'eau? Ce serait complètement pété si je pouvais tirer sous l'eau, faut pas déconner. Non, sous l'eau, ça doit être seulement le charbon. Heureusement, j'ai mon putain de fusil et mon immortalité. Je suis invincible. Tiens, salut toi! Ça lui a pas plu. Et je parie que la lumière s'est dissipée depuis le temps. Non, la lumière est toujours là. Ouais, elle est là-bas. Faut vraiment que j'augmente ma vitesse de déplacement, moi, c'est pas possible. Faut que je sois aussi rapide que Flash. Je pense que tout mon poids, etc., endurance, etc., je peux le mettre autre part. Mais ma vitesse, c'est quelque chose de non négligeable. Putain! Tous ces petits trucs qui vont me ralentir. Putain, les marais. Comme si j'avais que ça à faire. Allez. Fly. J'abuse du fusil, je sais. Tiens, un titanoboa. On verra ça plus tard. Ok, des machins frontérium là. Je parie qu'il va se volatiliser sous mon nez. Pour la fin de l'épisode, ça va être un volatilisage sous le nez. Putain! J'ai pas de temps à perdre. Évidemment, j'y vois que dalle, ce qui fait que s'il y a des obstacles sur mon chemin, je ne les verrai pas. C'est une casse-couille. C'est la casse-couille, vous avez pas idée. Allez, on se dépêche. En plus, le jaune, c'est ma couleur préférée. Allez! Walk! Putain, dépêche, allez! J'y ai accès, parfait! Ça, c'est celle d'Iguanodon. J'en ai déjà une, je crois. Et une lance de joute! Et ben voilà qui est parfait! On sait combien niveau munitions? Plus que 9? Ah bah attendez, on va essayer de buter quelqu'un avec. Sauf que, évidemment, j'y vois que dalle. Que c'est casse-couille. Bon, bah... ça va être la fin de ce 25e épisode du Let's Roll de Arthur Survival Evolved, où je disparais dans les ténèbres. Salut à tous, et bye bye. Putain, je déteste la nuit.